Salut à tous les amis, bienvenue dans la caméra du web, épisode... C'est un peu chelou là, dégage. Aimeriez-vous être perturbé par une vieille en plein milieu de votre travail dans un chantier? Hein? Est-ce que t'as compris? Et ça va aller avec ma camionnette, vous? Ta camionnette? Bah ouais, vous touchez pas assez à ma camionnette. Ouais, moi je suis déclaré, moi je suis le chef de chantier. Allez hop, dégagez. Hop, j'habite depuis une carte, attends, je suis ouais, mais ça va aller, bon. Mais ça va aller, on va aller, tout est... Les gens, ils sont pas contents, saloperie, ta camionnette. Ouais. T'es riche, saloperie. Ah bah saloperie, allez. On va t'envoyer, au revoir. Ah bah ça va. Saloperie, saloperie. Les gens, ils sont pas contents, tout est... C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut taper dans ma camionnette. Appelle, 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 pas énerver Tati Daniel, mec. Saloperie. Non mais sérieusement, cette vieille est dingue. Au bout d'un moment, t'as juste envie de lui dire ta gueule, la vieille. Bernard, stop, 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 stop. Aïe. Bref, monsieur chef de chantier était en train de travailler quand madame Daniel commence à taper avec son sac sur le camion. Peut-être que le camion l'a traité, c'est pour ça qu'elle l'a tapé, normal. Ah, la vieille, t'es moche. Saloperie. Elle demande par la suite si... Et il répond. Et ça va aller avec ma camionnette, vous? Elle enchaîne en demandant si le chef est déclaré. Pourquoi? Je sais pas. Le chef de chantier, se sentant vexé de ce qu'elle a dit, lui dit de dégager. Allez hop, dégagez. Et là, Bernard, tu peux y aller. Elle se vénère! Mais on comprend que dalle, madame! Articulez quand vous parlez, le seul mot qu'on comprend, c'est saloperie! Revenant plus forte, elle utilise son pied puissant et son sac de défonçage de grille. Cri super puissant! Et ouais! Oh, et puis maintenant, le SMA parle allemand. T'imagines, c'est ta grand-mère qui est en train de défoncer ta grille parce que tu veux pas la laisser rentrer! Maman? Y'a mémé qui est en face, qui est en train d'essayer de défoncer la grille, c'est normal? Surtout, ne la laisse pas rentrer. Oh putain, passe par au-dessus. Alerte rouge. La vieille vidéo suivante. Je vais vous parler d'un talent incroyable. Tel d'une femme qui se coule la langue. Comprends? Regardez. So I decided I'd sew a picture into my tongue. We posted on the internet, tried to get a viral video, and I did a few performances. Non, je déconne, on va pas regarder ça parce que je vais... Non, plus sérieusement, je vais vous parler d'un gars connu. Mais qui est fou, donc je vais parler de lui. Voilà. Excusez-moi, madame, y'a pas une grosse culotte ici, s'il vous plaît? Des culottes pour ma femme. Y'a pas de culotte, madame? Madame, je vous parle. Ça, j'ai fait le tour du magasin, y'a que des strings. Je veux pas que ma femme apporte du string. Ma femme, c'est une femme bien. Je tiens à elle, je l'aime. Ma femme, c'est pas une pute. Je veux que ma femme, elle porte une culotte. Ramenez-moi une culotte, s'il vous plaît! Parce que là, je pète les plombs! J'ai fait le tour du magasin! Y'a que des strings! C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde, il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Ma femme, c'est une meuf bien! Ma femme, c'est pas une salope! Pourquoi vous voulez que ma femme, elle tourne mal? Ramenez-moi une culotte! Wow! 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 Calmos, mec! Donnez-lui sa culotte, putain! Ce mec s'appelle Boboche. Ce nom paraît très mignon, mais ne vous fiez pas à ça. Ce mec veut une culotte, apparemment, donc il décide de se vénère, ce qui est tout à fait normal. Ramenez-moi une culotte! À mon avis, ça doit être le petit-fils de mamie Daniel. Vous imaginez si on les fout à deux? Anarchie, mec! Ramenez-moi une culotte, s'il vous plaît! Parce que là, je pète les plombs! J'ai vu le mur du magasin! Y'a que des strings! Vous êtes des esclaves! Obéissez à Daniel et à Boboche! Et ouais! Et si tu leur obéis pas, tu vas mourir! Et ouais, mourir! Bernard, dis-leur.
Dis-la. Ouais, vous allez tous crever un par un. 1, 2, 3, 4, tous vous allez... Babache. Bernard, stop. Babache. Stop, stop. Babache. Stop, Bernard. Babache. Bush, 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 babab. T'as fermé ta putain de gueule. Oh. Bon, c'est bon, va te la ramener ta putain de culotte de merde là. Boboche n'a pas fait qu'une seule vidéo. Non. Il en a fait une aussi au magasin Carrefour pour appeler son fils, car il était inquiet. C'est trop mignon. Karim, 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 je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. J'ai plus besoin de toi. T'es un enfant gâché. T'es une merde. Karim, si je te retrouve pas, je vais te tuer. T'es un homme mort, Karim. T'es un homme mort. T'es un homme mort. Tu m'énerves. C'est mon enfant là, il me... Moi, je dis, faut que ça soit lui, Pascal, le grand frère. Il est excellent. T'imagines le traumatisme du gosse au magasin. Il doit pleurer dans son coin, il n'ose même pas venir. Karim, si je te retrouve pas, je vais te tuer. T'es un homme mort, Karim. On passe à la dernière vidéo, ok? S'appelle Let for Meeting. Elle est sortie le 25 octobre 2013. Si ça vous intéresse. Parce que la date des fois c'est pas vraiment intéressant, mais bon je la sors quand même. Quel est le but de la vidéo? Je sais pas. Qui est-ce? Je sais pas. Vraiment une vidéo what the fuck hein? Tout à fait. Déjà il fait ses courses, il renverse tout dans le magasin. Bravo! Il sort du magasin avec ses courses qu'il a achetées pour les jeter. Bravo! Regardez-moi cette danse du crabe. Et ensuite, il y a la danse du canard au cul volant. Coin, 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 coin. Et ensuite, il se met à conduire comme s'il y avait un bug internet dans GTA. Attends, mec, ma connexion qui bug. Putain, mec, t'es en plein lac là, tu casses tes couilles. Et au final, il prend ses ballons et il s'envole. C'est quoi de cette histoire de merde? Non, non mais le monde ne va plus là. Bon j'arrête, j'en ai marre, je peux plus, je sature. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 3 de la caméra du web. Et je suis tout retourné. N'hésitez pas à partager, commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Watch Studio. On se retrouve prochainement sur le Watch Studio. Hein, à mardi, salut.